Le parcours du combattant se livre aux éditions Edilivre. Voilà, je le remonte. Vous en êtes l'auteur, Régis, Bernard Tetelin, pardon. Ce n'est pas votre coup d'essai, hein. C'est au moins le 20e livre, peut-être même 60 si on parle des publications. En tout cas, voilà, vous êtes un auteur aujourd'hui confirmé. Et dans ce livre, Le parcours du combattant, vous revenez en fait sur cette drôle de guerre, hein, la guerre 14-18, la Grande Guerre. On est en plein dans l'actualité, en fait, aujourd'hui, régulièrement, on célèbre en tout cas le centenaire. Là aussi, il y avait une volonté comme ça de célébrer un peu l'histoire à travers ce livre. Oui, certainement. Je dépasse d'ailleurs le cadre de la guerre 14-18. Si vous voulez, je suis né juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais bien entendu, mes parents l'ont connu quand ils étaient eux-mêmes des enfants. La deuxième, ils l'ont connu comme acteur, si je puis dire, puisque mon père a passé 5 ans dans un camp de prisonniers en Allemagne. Et il est évident que ma jeunesse, mon enfance, a baigné dans les souvenirs que mes parents m'ont racontés, mais également tous les souvenirs que les voisins dans mon quartier, j'habitais alors à la Madeleine, pouvait évoquer devant moi. Et ça m'a vraiment marqué. Alors bien sûr, l'opportunité du centenaire de la guerre 14-18 s'est présentée, mais j'ai voulu en quelque sorte présenter l'histoire de gens que j'ai pratiquement tous connus, dont je maquille bien sûr les noms et les prénoms pour des raisons de déontologie, donc les prénoms sont inventés, mais les personnages ont réellement vécu et les faits qui sont racontés ont été réellement vécus, et j'en ai même connu certains en direct. Alors ce n'est pas non plus un livre d'histoire, c'est quand même un roman avec une histoire Bah, aussi. c'est l'histoire des gens qui ont connu ça dans leur vie quotidienne, qui l'ont connu à la base, si je puis dire. Donc les faits qui sont cités sont des faits historiques au niveau local, dirons-nous, mais ils ont été vécus par des tas de gens, des millions de gens en France et ailleurs. Oui, c'est vrai, vous le disiez, en étant né après la Seconde Guerre mondiale, par rapport à moi, hein, par exemple, c'était peut-être mes arrière-arrière-grands-parents qui ont vécu cette Grande Guerre Tout à fait. 14-18. Voilà, je n'ai pas eu, en tout cas, le plaisir de les connaître. Aujourd'hui, vous valorisez, en fait, un petit peu leur mémoire, ses ancêtres, à travers ce livre. Oui, je suis très touché par le fait que ces gens, finalement, qui furent nos parents, grands-parents, ont finalement vécu une vie très difficile, hein. Les 60 premières années du XXe siècle ont été des années de guerre. Je parle également, j'évoque également la guerre d'Algérie dans ce livre, et la guerre d'Indochine, bien sûr. Et je me dis, bon sang, ces gens ont eu un sacré courage, ils ont quand même réussi à continuer de vivre, à accepter de vivre, à nous fournir un héritage. Ça méritait quand même une forme de respect. Le Au-delà, parcours, disons, des faits purement nationaux, historiques, etc., quoi. Et le parcours du combattant, c'est celui du poilu ordinaire, mais c'est aussi ceux qui étaient derrière la ligne de front, à la Ouais. maison et qui subissaient la Tous guerre. ceux qui ont vécu la guerre, qui l'ont supportée et qui ont bien dû l'accepter et qui en ont bien sûr souffert dans leur vie, une vie qui pour beaucoup était gâchée. Alors vous avez reçu le prix d'honneur 2014 de l'Académie de Provence. Avec Oui. ce livre, ça représente quelque chose justement pour vous que l'on mette comme ça à l'honneur aussi cette part de l'histoire? Oui, bien sûr. Disons que ce qui est très intéressant, et là c'est l'écrivain qui parle, écrire, c'est d'abord faire le point avec soi-même. C'est confronter un peu ce que l'on fait de sa vie avec les choses qu'on aurait voulu vraiment réussir, qu'on a parfois réussi, qu'on a aussi parfois loupé peut-être. C'est également une volonté de communiquer avec les gens. C'est un fabuleux moyen de communiquer, de rencontrer les gens, l'écriture. Ce qui fait que je me suis fait beaucoup d'amis, parfois même de manière tout à fait impromptue. Bien sûr, dans ma région d'origine, hein, le Nord-Pas-de-Calais, mais également en Bretagne, en Provence, d'où d'ailleurs ce prix que mes amis provençaux ont bien voulu me décerner. Alors, on parle ici du parcours du combattant, donc de cette guerre, de l'horreur de la guerre, mais vous voulez aussi, donc vous le disiez, les premières années, 60 premières années ont été marquées par la guerre. On est aussi sur le sol français indirectement, Oui. en paix depuis 70 ans, et c'est aussi grâce à eux. Oui. Malheureusement, cette guerre, enfin ces guerres se sont exportées. C'est ce que l'on peut voir actuellement partout dans le monde. Mais je pense qu'on ne dira jamais assez quel est le message que ces gens-là, qui furent, je le répète, nos parents, nos grands-parents, etc., nous ont apporté. Et je crois que si on veut être digne d'eux, il faut partout, n'importe où, être un témoignage de paix et de bonne volonté. Et Ce célébrer qui le n'est pas devoir de toujours. mémoire, comme on le Voilà. fait souvent. Et ce livre, en tout cas ces livres, ces ouvrages hein, que l'on vient présenter ici, en font partie. Alors, il faut dire un mot également de ces œuvres caritatives que vous soutenez, hein, puisque les bénéfices de souscription, de l'achat du livre, une partie sont remises
à des œuvres sociales aussi. Oui. Oui, d'une part, depuis 25 ans environ, je parraine à des enfants dans le monde, enfin un enfant à la fois, bien sûr. J'ai parrainé un petit garçon d'Haïti qui maintenant est devenu un homme. J'ai actuellement une petite fille au Vietnam. J'ai également eu la chance de rencontrer Guy Gilbert, le prêtre des Loubards. Je l'admire parce que franchement, il mérite un énorme coup de chapeau. Donc, j'essaie de les aider modestement par les quelques sous que mes livres me procurent. Je pense également aux petits frères des pauvres qui font un travail sur le terrain qui n'est pas négligeable non plus. Le parcours du combattant écrit donc par vous, Bernard Tetelin. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Le devoir de mémoire, pour saluer la mémoire de ses ancêtres, la guerre 14-18, et aussi le bénéfice, donc une partie du bénéfice qui ira à certaines associations. Merci d'être venu sur ce plateau C'est moi qui vous remercie. pour nous en parler.